que j'ai écrits quand j'étais effectivement en prison pour la plupart, mais dont certaines chansons avaient été aussi écrites un peu avant, mais que j'ai surtout bien travaillé là-dedans. Et je voulais qu'il y ait dans cet album du matériau humain, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec des machines et des gens qui pilotaient des ordi, tout ça. C'était un beau projet qu'on a monté en fait vraiment à deux, avec un ami qui s'appelle Claude Pi, qui est musicien très talentueux, guitariste très talentueux, et qui en plus pour l'occasion s'est transformé en très très bon ingénieur du son, ce qui nous a permis d'enregistrer un disque totalement à la maison. J'ai fait venir des gens à la maison, dans une maison où j'étais, on a fait ça de... Bon, en même temps de manière artisanale, oui, on n'est pas obligé d'aller dans un studio à 1 500 € par jour, et on peut avoir du matériel. Bon, les gens avec qui je suis m'ont considérablement aidé là-dessus pour avoir les bons micros, les bonnes choses, et c'est à partir de là qu'on a commencé effectivement à faire ce disque, quoi. Patrick Bébé est un personnage, un beau pianiste, un très beau pianiste. C'est quelqu'un qui a un toucher fantastique et qui a une économie de notes, et toutes les notes elles sont bien là où il faut. Je crois qu'on s'en met ensemble, tout simplement. Et ça transparaît. Et c'est Peyo, quoi. C'est-à-dire qu'il a... Il a une forme de générosité qui fait que, évidemment, il arrive à attirer des personnes généreuses autour de lui. J'ai attendu effectivement 4 ans parce qu'il était avec plein d'autres gens. Il a travaillé avec Lalanne, il a travaillé avec Charlie Couture, avec Myriam Makeba, cette fantastique chanteuse sud-américaine. Il a travaillé aussi avec Peter Gabriel, avec d'autres artistes, et Papa Wemba et tout ça. Donc il est issu de cette musique du monde. J'aime beaucoup l'homme, avant tout l'humain, et puis j'aime beaucoup le musicien, l'artiste. Si déjà on s'entend bien ensemble, de mon point de vue, c'est déjà 80% du spectacle qui est réussi. Après, il faut répéter, se mettre d'accord sur comment on va faire les choses, mais si déjà il y a une bonne entente humaine, après l'entente musicale, elle se fera toute seule. La musique, ça ressent, ça je peux vous le dire. Je peux vous dire que quand il y a des gens qui sont contents et heureux d'être sur scène, la musique, ça a de la patate, ça de, etc. Donc c'est ça qui m'intéresse. Je regrette juste une chose, quand je joue avec lui, c'est que effectivement, je ne parle pas un mot de basque. Quoi. C'est vraiment... une grosse frustration parce que j'aimerais, bon, bien qu'il m'ait expliqué toutes les chansons, mais j'aimerais pouvoir comprendre au mot près ce qu'il dit. Si las palabras son suficientes, si las estrellas maravillosas, si no se pueden contar las flores, para qué sirve. Il y a des gens qui ont fermé la porte parce qu'ils veulent pas rentrer dans des contextes politiques, que le Pays Basque, ça doit rester un pays de montagne et de mer. Il y a aussi des gens, il y a une langue, une culture, il y a des gens qui se battent pour une identité, et ça, moi, je le nie pas. Donc, après, je suis pas un homme politique, je suis un artiste, mais je veux dire, dans ce disque-là, il y a des gens qui ont pas voulu aborder ils se sont trouvés gênés, quoi, quand il y a quand même 6 minutes et demi de messages de gens quand j'étais en prison, et ça pose des questions, quoi. Donc, je me suis trouvé, j'ai perdu des amis à une certaine époque, mais ça devait pas être de bons amis, donc c'est pas très grave. Donc là, je suis. Ce disque continue. On va continuer. J'aimerais qu'on me lâche, qu'on me laisse faire mon travail, parce que je suis tenu d'aller pointer toutes les semaines à la gendarmerie, que je peux pas sortir du territoire métropolitain, qu'on a des propositions pour aller chanter en Belgique, dans des festivals de world music en Europe, en Amérique latine, etc. Et ça commence à me fatiguer, quoi. Voilà. Donc qu'on me lâche les Basques et qu'on me laisse travailler. C'est ça que je voudrais dire simplement. Mais avec le sourire. Donc voilà. Hemen guztiele jokuko, bihotza balez lotu eskuko, hain iztasunez bizi mundu, nire ametsa loak hiltzen du, loak aztu, loak undu, iratza gadiez beriga, bizitzaren posta sentimentua, bizitza maitzen.